I was in Sweden, and then from Sweden I went to Paris for couture, and then from Paris to Miami, and from Miami to, what is this place called? Barcelona. And then from Barcelona to Switzerland, and then from Switzerland to Thailand, and then from Thailand to LA, and then from LA to New York for the shows, and then in the middle of the shows to Miami, and then from Miami back to New York, and then from New York to London, Milan, and now Paris. Elle s'appelle Cécilie, Natacha, Freya, Constance, Sacha. So good to see you guys. Elles sont top au top. Sexy, sexy, sexy. On connaît leur corps par cœur, elles sont dans toutes les campagnes, posent dans tous les magazines pour les plus grands photographes. Weird. Elles ont un bouc dément. You look gorgeous. Elles sont les muses des plus grands créateurs. Elles font partie des filles que Karine Roitfeld, la rédactrice en chef du magazine Vogue Paris, aime particulièrement. Ce sont nos cover girls, c'est-à-dire c'est des filles qui font les couvertures chez nous. Elles vivent toutes à New York, mais leur autre maison, c'est l'avion. Ça fait plus de 1000 heures de vol par an, sachant qu'il en faut 45 pour avoir son brevet de pilote, elle pourrait être 23 fois pilote. À force de fréquenter les aéroports, elles arrivent régulièrement sans leur bagage dans les capitales du monde entier. This is my luggage. This is my I'm wearing. Elles mettent des jours à les récupérer. Leur vie ressemble à un drôle de conte de fées. Il faut avoir une personnalité, autrement ça marche pas. Autrement vous faites oublier. Are you ready? I'm ready for the show. Suffer for beauty, and it's a good suffering. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour off, il n'y a pas de vacances, c'est dit non-stop. Never free time in fashion week. En même temps, c'est un non-stop qu'elles adorent, on va pas les plaindre, hein. C'est un non-stop génial. Time for the champagne. C'est intelligent, non? Hein? La semaine des défilés à Paris en mars, c'était le lieu idéal pour mieux comprendre ces phénomènes volcaniques. La fille en vogue. La fille en vogue. La fille en vogue. La fille en vogue. Qu'est-ce qui fait qu'on sort du lot lorsqu'on est mannequin? On tape dans l'œil des rédactrices qui vous repèrent lors d'un défilé ou le contraire. Un magazine vous donne votre chance dans une série photo et c'est parti pour un tour sur les podiums. Le but ultime, c'est de décrocher des contrats, mais il n'y a pas de loi ni de stratégie aux mensurations parfaites. À chacune son parcours. Ce qui fait marcher les filles, c'est leur beauté et leur personnalité. Natacha Poli est russe. Elle a 24 ans, a fait ses premiers pas sur les podiums à l'âge de 15 ans. En 10 ans de carrière, elle a décroché près de 100 contrats pour des campagnes publicitaires. Et elle pourrait équiper un dortoir tellement elle a fait de couverture. En mars 2010, on l'a vu défiler sur 9 podiums new-yorkais, 14 Milanais et 15 à Paris. Près de 40 défilés, c'est l'anti-pantouflarde. Natacha, je peux vous dire, je pense qu'ici, je dois être la première à avoir travaillé avec Natacha. Elle est toujours impeccable dès 6h le matin. Et elle a toujours le sourire, elle est fatiguée, mais ça ne se voit jamais. Elle se lève à 4h du matin, elle est souriante. Elle a une constance dans son attitude qui est, pour nous, très facile. Sacha Pivovarova, c'est l'autre russe. Elle a 25 ans, mais a débuté sa carrière à l'âge de 20 ans, alors qu'elle était étudiante et déjà mariée. Oui, madame s'est mariée à 18 ans. Ça, c'est fait. Sacha, c'est la petite sorcière bien aimée des photographes. Et sur les podiums, on la repère aussi à sa taille minuscule, 1m73 sous son grand chapeau. C'est la dingote. C'est la folle. C'est la faux-folle. Je pense que c'est une des mannequins les plus inspirantes. Elle a un visage peut-être moins classique. Je pense qu'elle est plus actrice que mannequin. Elle pourrait vraiment faire du cinéma. Elle sort quelque chose d'elle de... Non, d'émotionnel très très fort, c'est une fille qui peut crier, qui peut rire, qui peut pleurer. Et les faux folles dans le bon sens, je veux dire, on s'ennuie jamais avec Sacha. Freya Beya Eriksen est la brune venue du Danemark, une petite reine qui cumule les séries photos et les campagnes publicitaires. Elle a 22 ans et a commencé à 18 ans en étant remarquée dans la rue. On la repère à sa démarche volontaire sur les podiums et visiblement elle a une belle carrière devant elle. Nouvelle icône. Freya, c'est ma nouvelle découverte. Je la trouve très aristocratique. Elle a une façon de se poser, de se tenir. Elle a une élégance naturelle. Elle se tient génialement bien. Avec une espèce de nonchalance élégante, elle a du chien. Voilà, je trouve que cette fille est extraordinaire. Constance Jablonski est française à 19 ans. Elle a grandi dans un petit village du nord de la France, mais vit désormais à New York. Parce qu'au bout de 2 saisons, quand on est mannequin, on vit à New York. En mars, elle a défilé pour 22 créateurs à la maison, à New York, 11 à Milan, 14 à Paris. Ça fait presque 50 défilés, oui ça marche pour elle, et c'est pas fini.
Constance, elle parle français. C'est reposant de temps en temps. On n'a pas beaucoup de françaises mannequins, donc quand on a une, on va la pousser. En plus, elle est quand même très, 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 très jolie fille. Je pense qu'elle a un grand potentiel. Et en plus, elle est grande. C'est pas si grande, les françaises. Je suis trop forte. Cécilie Lopez est américaine, à 21 ans, un regard qui tue. La bombe atomique a beau avoir des séries et des couvertures dingues à son actif, on aurait pu penser que la mode serait Obama correcte avec elle. Pourtant, cette saison à Paris, elle a très peu défilé. Certes, on l'a vu sur les prestigieux podiums de Jean-Paul Gaultier et Hermès, Jean-Paul et Jean-Paul donc. Mais tout de même, 10 défilés à New York, 1 à Milan, 4 à Paris, c'est peu. À l'Obama bobo. Nous, on aime beaucoup Cécilie. Je trouve que c'est une fille sublime. En plus, qui marche, qui est très élégante comme elle marche. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas fait plus de défilés que ça. C'est une fille aussi, je veux dire, qui est hyper transformable, qui est magnifique pour faire de la beauté. Elle a un visage parfaitement bien dessiné. Elle prend très, très bien le maquillage. De maquillage sur elle, je trouve que c'est vraiment une très, très, très jolie fille. Lorsque le coup d'envoi de la semaine du prêt-à-porter à Paris est donné, toutes les filles sont là. Une semaine des défilés ne commence pas par des défilés. Ou plutôt si, par un défilé de filles devant toutes les portes des maisons de couture de Paris. C'est l'heure des castings. Pour savoir si elles vont être prises pour défiler, les mannequins doivent se présenter devant les équipes de création munies de leur book. Lundi, premier jour, Cécilie arrive chez Givenchy. Le seul enjeu, être retenue. Hopefully I'll get the show. 98% des filles qui vont passer vont se faire refouler, mais elles n'ont pas tout de suite la réponse. Don't know, you never know. No, you never know. They're very expressionless. Leur agent les appellera. It was very long, but I guess it went okay. I hope I get it. You know, fingers crossed. I will be excited once I get something confirmed. Parmi toutes ces beautés, on peut croiser Constance, notre petite Française d'1m80 qui cartonne. À la sortie des essais chez Hermès, elle est plutôt confiante. Je le fais souvent, Hermès, j'ai toujours fait, donc ça devrait aller. La saison précédente, Constance a battu un record en défilant pour 73 maisons. La jeune fille est désormais une bête de podium et c'est une élève modèle parmi les jeunes tops. Elle a gagné le concours élite, à son baccalauréat, et là, elle entame sa quatrième saison alors qu'elle est à peine majeure. La classe. En fait, je vais avoir 19 dans 2 mois, donc... Elle a 19 ans, pardon. À 19 ans, Constance fait figure d'exception culturelle chez les mannequins. Elle s'assoit devant dans la voiture, à côté du chauffeur. Et elle profite de sa vie de top. Pour défiler à Paris en mars, la Lilloise s'est pris une petite chambre au crayon. Bienvenue chez moi. C'est quand même une chose incroyable. Je reste dans des hôtels sublimes. Les gens sont super sympas. On fait des rencontres de fous. On parle avec des gens du monde entier. Enfin, non, c'est quand même une chance incroyable. Constance a 19 ans. Elle est sincèrement sincère. Pour Sacha, le premier rendez-vous parisien est chez Yves Saint-Laurent pour les essayages. Elle est archi-connue, donc ne fait plus de casting. Les stylistes connaissent sa silhouette de ballerine. Sur ce trottoir magique, on croise toutes les grandes le temps d'une journée. Sa meilleure amie, Marina, une russe au top. Tiens, Constance. Et dès notre rencontre, Sacha est devenue notre agent secret. Elle nous prévenait par sa messagerie superpuissante internationale qu'on pourrait l'attendre longtemps tellement la concentration de filles à l'intérieur était élevée. Elle est donc ressortie, nous l'avons équipée d'une toute petite caméra ultra-performante. Ça va? Pour qu'elle nous filme en exclusivité mondiale et spatiale les coulisses d'une grande maison. Ce qu'aucune petite souris russe n'avait fait avant. Китайский сторожевой. Pendant la semaine des défilés, la capitale de la mode grouille de créatures sublimes qui composent et recomposent des tableaux dans les escaliers. Chez Sonia Riquiel, c'est carrément grunge. Des mètres et des mètres de jambes pliées, de corps recroquevillés sur 2 étages. C'est interminable comme l'attente. Lorsqu'elles se rendent à un casting, les filles doivent s'armer de patience. Bonjour Constance. Chez Dior Avenue Montaigne, elles sont numérotées. Yeah. Chacune son ticket pour respecter l'ordre de passage, ambiance sécu.
Les filles sont surtout armées de chaussures à haut talon 14 cm. Impraticables pour courir de maison en maison, mais indispensables pour juger leur démarche. La meilleure façon de marcher, c'est d'être juchée. Et puis une fois qu'elles ont attendu des heures, concrètement, le passage devant le styliste est rapide, sans commentaire. Jugement en un feuilletage de bouc et en un aller-retour éclair. You have 3 seconds in the casting to impress them. You should impress the designer, if anything, not the casting director, not the assistant. I'd rather go for the boss. Thank you very much. Thank you. 2 jours plus tard, le défilé de Dries Van Noten avait lieu à 15h le mercredi. On a cherché Cécilie. Cécilie ? Cécilie ! Oh bah ma foi, elle n'avait pas été retenue. Thank you very much. Thank you. Tout peut arriver lors des castings. Quand un créateur demande à une fille de soulever sa jupe, rien de grave. C'est qu'elle n'est pas assez moulante pour juger sa silhouette. En revanche, le port de la culotte blanche peut être fatal. Rien de grave. Les créateurs scrutent les filles. Je regarde tout. Je regarde la taille des filles, s'il n'y en a pas une qui est beaucoup plus grande que l'autre. Je regarde surtout leur visage, si elles ont une expression intéressante, si elles sourient, si elles sont heureuses. Quand une créatrice demande à une fille d'enfiler une tenue de sa collection, celle-ci peut vraiment espérer décrocher un rôle. Là, il y a vraiment quelque chose de très fort aussi. Qu'est-ce que tu penses, Épide ? Moi, j'adore, comme ça, on fait des complètes. Regardez, c'est magnifique, ça. Chez Sonia Riquel, Cécilie essaie un tailleur super large et espère avoir sa photo affichée au tableau. Une place dans la cabine de mannequins sélectionnée pour le podium. Vous savez ce qu'il y a ? Il y a des blondes. Des blondes et des blondes et des blondes. Bonjour. Avec les cheveux blonds, très raides, comme ça. Très minces, très grandes. Thanks very much. Bye. Bye. Et sur la quantité de blondes et blondes et blondes très minces, très grandes, il y a quelques plaques qui sont très très jolies. C'est important. Pour les mannequins noirs, les places sont encore rares. Ce sont plutôt les têtes blanches qui dominent. I think it went well. I hope so. She asked me to try something, so that's always a good sign. But you really won't know until you get the call from your agent and say if you're confirmed. So hopefully I'm fortunate enough to get that call. I'll like cry if I get the show because it's so much fun. Fingers crossed. 4 jours plus tard, le défilé Sonia Riquel avait lieu à 16h le dimanche. On a bien vu dès le début que le tailleur super large essayé par Cécilie n'était pas porté par Cécilie. Obama, bonne dame, elle n'avait pas été retenue. C'est pas drôle, hein. Pendant ce temps, Cécilie prenait des forces. Dans le studio de la créatrice Isabelle Marant, les derniers essayages ont lieu 3 jours avant le défilé. Constance passe. On a vu tous des vêtements sur une fille qui fait 1m70, donc tout d'un coup, c'est surprenant. Il y aura 41 tenues, autant de paires de chaussures, de boucles d'oreilles prévues pour chaque fille. Et on rencontre Freya, la danoise brune. C'est le moment où la créatrice ajuste les tenues sur les filles, regarde si les pantalons à paillettes font de belles fesses. Freya, la top aux yeux revolver, fera 2 passages. Isabelle Marant la connaît depuis plusieurs saisons. Une top et une créatrice complice. It's not so bad, but it's a bit bigger. It makes you looking, you know, it should be a little bit higher. Try these ones, let's see. Je sais pas si c'est bien noir, c'est mieux argent, ouais. Dans la vraie vie, le style de Freya est très Isabelle Marant. Qui influence qui? I don't know if she's doing anything special for me. I just think we agree on what's cool and nice to wear, basically. So, I don't know. It's good stuff she does. But Paris in general is just, it's such a good fashion week, it's such good clothes here. In Paris you can smoke. You can smoke in your hotel room without the alarm going off. You don't have to climb up and do the shower cap around the smoke detector. Nice. You can smoke at shows. It's more relaxed. You don't feel hexed because you're a smoker like in New York. You're not allowed to smoke anymore. It's always, but it's like by the time everyone gets to Paris, you just, it's such a beautiful city. Today the weather is beautiful. Everyone's just pleased to be here basically. So I feel like everyone's always cheerful and happy in Paris. It's a good way to end it all. There's my car.
Les essayages permettent aux créateurs de définir l'ordre de passage des filles dans un défilé. Freya a tapé dans l'œil d'Isabelle. Bah Freya, voilà, là, elle est arrivée, elle collait pile poil dans le thème, dans la collection. Ouais. Du coup, elle est en deuxième, on a changé le passage, on l'a remise en premier parce que c'est vrai qu'elle a vraiment la, pardon, elle a vraiment la bonne image du défilé. Ouais. Comme Freya, Natacha est souvent numéro un sur le podium. La fille qui apparaît la première a une lourde responsabilité. Elle donne le ton de la collection, doit capter l'attention de la presse, des acheteurs, pas seulement les réveiller mais les galvaniser. Natacha, la professionnelle absolue bombe parmi les tops, excelle dans cet exercice d'incarnation, de sublimation. Jeudi, le quatrième jour, quand elle arrive au Grand Hôtel pour le défilé Balmain avec son agent, c'est elle qui nous emmène en coulisses. Elle connaît le chemin par cœur, maîtrise les dédales de l'hôtel et va droit au but quand il s'agit de trouver la suite 12 étoiles squattées afin de maquiller et de coiffer les tops. De les sustenter aussi. Fin d'une légende, les mannequins mangent, mais pas des cassoulets. Allez, une fraise. En tant qu'habituée, Natacha connaît les créateurs comme sa poche. C'est même elle qui va nous présenter le styliste de Balmain, Christophe de Carnin. Il ne parle pas non pas parce qu'il a la bouche pleine, mais parce que c'est un génie timide. This is Christophe. He's an amazing designer for Balmain, and he's just like super talented. He's always like really, really cool. So yeah. Quand on défile depuis 10 ans, on connaît la musique du maquillage. Natacha prend parfois la main pour les manipulations spéciales, notamment avec le recourbe cils. Quand elles se font pincer une fois, en général, jamais. Did you get pinched once? Sorry. With this? With this? You, yeah. Yes, I did. That's why, you know, after they don't let anybody touch it. Like, It's very, very painful. It's funny because when you see your girls, it's like a boarding school or like a summer camp. You meet each other. Your laugh, you're telling what happened in the last, in the past few months. Такая вчера пошла, я потратилась. Потратилась это? Да, откуда? Au début de la semaine parisienne, l'heure est encore à la détente. On discute de trucs de filles, de ragots bien juteux qui feraient la fortune de quelques blogueuses. Sur le balcon des grands hôtels, c'est souvent l'heure de la récré. Il y a les bandes de copines du même pays, Sacha, Marina, Natacha, les Russes du moment. Et si juste avant de défiler, le fou rire est permis, quand il s'agit d'aller sur le podium, on ne rigole plus. Pendant ce temps, Cécilie ne défile pas. Hello. I called you. Dude. Wake up. I'm up, man, baby. I'm up. Rien de tel qu'un petit ami top modèle pour consoler une top modèle incomprise. He's a supermodel of his own. I love the fact. But she's surpassed me, so, you know. But I love the fact that she's like so up there. It's very attractive.
I haven't seen you in like so long. Chaque top a sa source de réconfort. That's my lunch. Nice. Une mâche potato. That's something from childhood. You eat a lot of potato when you grow up in Russia. But they good. Oh, I'll show you my zaychka. Hello. I love my zaychka. It's a long story about her. She got a long, interesting story, but I'm not gonna tell you. I think it's gonna be a cartoon one day. She's gonna be a cartoon character one day. So I have to make a cartoon with her. Maybe. Pendant les défilés, les essayages continuent. Les filles vont de maison en maison. Yeah, it's like in a video game. It's always go somewhere, find something, and do your mission. It's like a video game. Partout où elle va, Sacha dessine en attendant son tour. I love Sacha. Yeah. She made incredibly four. Artistic. All the little drawings. Yeah. Incredible. All her work is so nice. Ici, nous sommes dans le studio de la maison Lanvin. Moment rarement capté, très peu d'équipes sont autorisées à filmer. On est concentré, on travaille. La longueur de l'eau, c'est 83. On retire les dernières épingles, on côtoie le danger. Le styliste Albert Elbaz profite des essayages pour présenter son travail aux influents journalistes du monde entier. Sacha, we have Cathy here from the New York Times, and we're going to show a few things together, okay? Thank you, darling. Go ahead. Pour raconter l'histoire de sa collection à Cathy Orin du New York Times, aucune hésitation. Le créateur choisit une super top confirmée. Tout le talent du mannequin consiste à rester calme, docile, malgré les 12 mains qui pianotent sans relâche sur son corps, qui ajuste, coupe, attache. Passive et attentive. Ça va, très bien. Très bien, you look so good. Oh, thank you. And then it will be just cut more weave, okay? Without the weave. Pendant les pauses, les filles commentent activement les tenues qu'elles vont porter. Oh, wow, and you want to back. Comment rester soi-même quand on sert de pâte à modeler aux créateurs, aux stylistes et accessoiristes qui vous attellent pour les podiums? Quel look c'est ça? Freya, sa façon de supporter son statut de matière première, de revendiquer son identité, c'est d'être tatouée. 3 is a lucky number. So, 3 lines, 3 circles. Oh, just how it is. I don't think you shouldn't necessarily do what people are telling you to. If you want to do something fun, it's your one chance, it's your one life, do it. I mean, I don't think you should let anyone dictate what you should do with your own body. I mean, it's you do sell your body as, you know, a product, but it's still yours. I mean, my body, I get to do with it what I want. That was my initial thought, at least. Au fil des jours, Sacha avait décidé de garder la petite caméra et de tout filmer ça et là. Par exemple, ses dessins en voiture. Elle faisait son film.
Deux jours après le fitting, Freya, Natacha et Sacha se retrouvent à Alfraissinet, dans le 13e arrondissement de Paris, pour le défilé L'An 20. En tant que filles en vogue, elles ont toutes fait une quarantaine de défilés, dont une quinzaine à Paris. Leur corps ne leur appartient pas vraiment, leur emploi du temps non plus. Leur carrière est au top, mais d'ailleurs après. À quoi pense-t-on sous sa perruque, quand on a des paillettes plein les yeux? Est-ce qu'on pense à son avenir? Non, not really, not for now. I don't know what I'm gonna do in the future. So I'm just enjoying my moment right now. So living for a day, and then I don't know. We'll see. I think it's gonna come to me later what I wanted to do. When I'm gonna have more time for myself, I think I'm gonna figure it out and see what else I can do and stuff. So now I'm just really focused on my job. So. In our business, you never make a plans for future, for tonight, yeah, for tomorrow evening. You live without any plans. Like busy all the time, and you have to travel a lot. You cannot focus only on one thing. I mean, you have your own time. You can doing something like that. No, Sasha says she's painting. I don't really do anything. As soon as you're ready, both of you just run and get dressed because people are almost in. Come on, baby. Pas le temps de penser à l'après. Pour l'heure, les filles doivent assurer le spectacle, entrer dans la peau de leur personnage, se concentrer, masquer le trac. Tout l'art d'un créateur est de réinventer de nouvelles filles à chaque défilé, de faire appel à des mannequins célèbres, mais de leur donner un nouveau visage. Et même si elles sont méconnaissables avec leurs perruques, on les identifie à leur démarche. Tous les mannequins qu'on connaît un peu ont une façon de marcher très spéciale. Comme le dernier défilé, par exemple L'An 20, il leur a mis toutes la même perruque. Et ça change vraiment beaucoup les filles, et vous les reconnaissez à leur démarche. Sacha. Il y en a qui partent complètement en arrière, il y en a qui partent complètement en avant. La démarche est très importante sur un podium. On passe des heures à les regarder. Hein. On passe des heures, on les connaît par cœur. Donc, So cool, so powerful, amazing. I'm gonna go to Crazy Horse tonight. Où les mannequins passent-elles leur soirée? Au Crazy Horse? Niette! Les soirées les plus folles ont lieu dans les chambres d'hôtel où les filles regardent les dessins animés de leur enfance. Entre copines sur YouTube. Changa Changa, c'est l'île aux enfants russes. Da! Le Jardin des Tuileries est le centre névralgique de la semaine des défilés. Vendredi, le cinquième jour de la création de la mode, à 14h30 sous la grande tente blanche, c'est le défilé Christian Dior. Les mannequins ont leur petite tente spéciale montée rien que pour elles, pour la coiffure, le maquillage, la manucure, les mains dans le dos. Chez Dior, les looks des filles sont toujours spectaculaires. I'm also really curious, you know, like, what's the idea of the girls and, like, you know, the hair, makeup and stuff. Que fait un mannequin entre la coiffure et le maquillage quand elle a les yeux libres? Elle peut lire le premier roman de Nabokov, Matchenka, comme Sacha, en russe. Elle peut jouer sur son portable. Dans la cabine Dior, il y a l'égérie Carly Kloss. Elle a 17 ans, vient du Mississippi, va encore au lycée à Saint-Louis. Elle est immense. Elle se destinait à être danseuse, mais elle a tellement grandi qu'elle est devenue mannequin. Et comme toutes les ados, elle perd son portable partout où elle défile. I got run over by a trolley. I know, not even a car, a trolley in Milan. Carly, c'est la fille qui explose. Dans moins d'une heure, elle aura le premier rôle. Elle ouvrira le défilé Dior. Autant dire que c'est comme avoir un prix d'interprétation à Cannes pour une actrice. J'ai envie le premier. My stomach is going crazy. Dream come true. Pinch me. It's crazy. It's such an honor and it's just exciting. I really am so lucky. Les coulisses des défilés, c'est l'occasion pour les journalistes de poser tout plein de questions aux mannequins. Qu'est-ce que c'est la question qu'on te pose le plus sur ton métier?
Tu gagnes combien? T'es riche? C'est souvent la question. Réponse, ça dépend. Tout est affaire de cote, de négociation. Pour un défilé, un mannequin peut gagner une paire de chaussures, 3000 euros, ou carrément avoir un contrat d'exclusivité avec une maison qui lui offre 50 000 euros pour marcher rien que pour elle. Mais c'est rare. She needs some help. Help her. Être top expérimenté, c'est savoir profiter des instants de répit, même tout petit, entre les moments de stress. Et là, Sacha fait son film, tranquille. Elle nous embarque dans la cité interdite, là où les filles s'habillent. I'm going back to the change area. Hi Sasha, backstage at Dior. Dior, where camera is not allowed. Yes, I'm sneaking out. Elle fait tourner la caméra en la prêtant à ses copines. Moment inédit, on découvre avec les yeux d'un top toutes les étapes à suivre 30 minutes avant de marcher sur un podium. D'abord, on cherche son portant. Ensuite, on apprécie sa nouvelle robe, sa nouvelle mue. And Sasha's dress is really and this leather is so soft. And it's like, you remember when we were a kid for the new year, we were making a snowflake from the napkins, cutting, and it's like... Are you gonna be sexy, sexy, sexy? I have a sexy, sexy, sexy. And you? Show me your sexy face. Okay, Sasha is going to change now. Sexy, sexy, to the sexy, 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 sexy one. Puis on se déshabille sexy. On prend un petit cours de russe. How do I say I love Sasha? Я люблю. Я люблю. Я люблю Сашка. On met des chaussures trop grandes, c'est mieux que trop petites. And they're size 41 and just four sizes bigger than my feet. Just four sizes. Just four sizes bigger. Just four? Just four. Yeah, no, it's not like five or it's six. It's not like six and a half. On parle de l'amour avec un grand A. Love is blind, you know, so it's like I might feel an emotion, but like everything else might not be right. Like if I feel the emotion of being in love, I might not care about, you know, I don't care that like I'm unhappy or I'm crying myself to sleep. Jessica Stam a des états d'âme. Because when I'm in love, for me, in love and happy, it's together, you know, for me, being happy and being in love, it's together. Être mannequin, c'est par définition avoir un objectif collé sur soi. Des objectifs partout qui vous suivent. Mais quelle est la vision du mannequin quand elle se fait mitrailler? En exclusivité mondiale, vous pouvez ici ressentir l'effet que ça fait d'être une top qui rend fou les photographes. Non, my hand, I need it here. That's it, look at me. Belle. Tu dors un little bit, Sasha. Belle. Can we have a picture too, please? Sure. Can I take a picture of you? Can I take a picture? Can I take a picture? Voilà, Sacha n'a plus le temps de filmer, il faut qu'elle se mette dans la peau de son personnage de fille libertine sexy. C'est le mot d'ordre pour défiler. Do you all know what libertine is? Come on, Sasha's gonna show libertinage in the most perfect Russian-English way. Yeah! Thank you.
Dès le final terminé, les filles doivent foncer sur leur prochain défilé. John Galliano est encore dans l'écurie quand Sacha, déshabillée et rhabillée, file déjà au pas de course chez Isabelle Maran. Elle n'est pas la seule. D'autres filles comme elle sont attendues par un taxi moto. Pour filer rive gauche, au couvent des Cordeliers. Il faut se dépêcher, pas le temps de se parler. On s'appelle plus tard. Un mini verre de champ. Avec un peu de chance, si vous vous baladez au jardin des Tuileries, vous en trouverez un par terre. Avant de traverser la Seine, il faut fendre la foule, prendre le temps minimum de sourire aux photographes. Rester professionnel à chaque seconde, être dans l'urgence, mais ne jamais le montrer. Poser 6 secondes, pas plus. Les blogs et les magazines décryptent le look des filles et balancent les comptes rendus sur Internet à la 7e seconde. L'art de courir sans jamais être à bout de souffle. De maîtriser son allure dans l'urgence. De ne jamais se laisser dépasser. So she's like, yes, you're the first one. So I'm very tired and I need to find my motorbike. À l'heure où elle quitte Dior, le défilé d'après est censé commencer. Depuis plusieurs saisons, le calendrier impose cet enchaînement rive droite, rive gauche serré. De l'autre côté de la rive, la créatrice Isabelle Maran est toujours un peu inquiète. On a toujours une petite appréhension d'être sûre que toutes les filles vont bien arriver en temps et en heure. Le problème quand on est top modèle pressé, c'est qu'il faut supporter un casque avec le risque de s'enfoncer 50 épingles dans le crâne. Pour sauver sa peau, Natacha Poli arrive donc sans casque, au couvent des Cordeliers, sous le nez des policiers, en même temps que Sacha. Arrivée sur le nouveau défilé, le but du jeu, c'est de se faire décoiffer, démaquiller, pour tout recommencer. Et avoir son nouveau visage en un temps record. Un eyeliner en 3 minutes, c'est... Freya est déjà là, elle adore sa tenue. Love, love, love. I can't even describe the leather jacket. I'm so in love with it. It seems that it's yours. I thought that it was yours. No? Yeah, many people were like, are you dressed or what? No, it's so cool. Love it. I could just walk out like this and be so comfortable. Elle ne sortira pas comme ça dans la rue, mais première sur le podium, comme convenu. Here we go. C'est l'heure de l'appel. Le défilé commence avec une heure de retard, comme convenu. Sacha, chaussures trop petites, journée trop longue. Ceinture.
perfect. Really nice guy. Il faut faire le final. Avec un peu de chance, si vous allez au couvent des Cordeliers, vous trouverez une coupe de champagne sur la moquette. Puis la course continue, comme convenu. Pro skater from the US. Bonsoir. Easy day. I didn't do anything but hang out with my friends, so it was kind of nice. Le matin appartient au mannequin qui se lève tôt. Bonjour. Il est quelle heure là ? 6h30. Personne n'est vraiment réveillé, y compris le cadreur qui n'a pas entendu sa sonnerie. Ça va être... Ça va, le réveil n'a pas été trop dur ? Horrible. On a donc suivi Constance avec une toute petite caméra personnelle. Vive la technologie miniaturisée. Habiter place de la Concorde, c'est pratique. Dimanche, 7e jour, Constance se rend à pied à son défilé pour Karl Lagerfeld aux Tuileries. Elle est avec sa meilleure amie, il leur suffit de traverser la place de la Concorde. Comment il s'appelle déjà le caméraman ? Elle Jean-Marc. Jean-Marc ! Je suis en retard là, il devait y avoir déjà une bonne dizaine de filles. Bon. C'est beau quand même, hein ? Alors, c'est gris, 6h30 du matin, t'es en retard. Je t'ai pas réveillée. À 6h35, Constance, la valeureuse, fait partie des 10 premières filles arrivées en coulisses. 8. Freya est arrivée après tout le monde, 2 heures plus tard. Yes, I slept. Alors que la première fille est arrivée à 6h moins le quart. It's more relaxed like this. You wake up a little bit more than if you come 1 hour before and it's boom boom boom. La vie en coulisses est parfois boom boom. Buffet dévasté. Yeux brouillés, écrabouillés. Paupières pincées. Hémoglobine, foulure, strangulation, épingle, chair de poule. Not so aggressive, I am a person. No pain, no fashion. Arrachage de faux ongles, agression au dissolvant. C'est quoi, c'est trempette dans du dissolvant ? Face aux greffes mousseuses aux mains gelées en forme de topinambour, les filles développent des stratégies de résistance. What mean float? I'm not very good at English. It's, you know, if you're laying on top of the water in a sea, and you're just laying like this. That's floating. So float just means, to me it means like flow through life. Take it nice and easy. Not too much stress. That's it. Yeah. If you had to carry every person's stress that was laid upon you, you would die. I mean, there's no way. You can do it. So you have to try to remain calm, even though, you know, everyone around you is stressing and yelling and whatnot. I think it's the best way to try to do it. Yourself in Paris because sometimes you forgot where are you. 5 minutes and I'll be at Chloe backstage, changing my hair and makeup to a new girl, Chloe girl. Un jour avant la fin des défilés chez Chloé, les filles sont au bout du rouleau. J'ai pas dormi. Pas dormi. J'ai passé la nuit chez Chloé et je suis retournée ce matin. Et à
après, je vais faire un fitting Paul & Joe. Et je dois être à minuit ce soir chez Louis Vuitton. Je vais passer la nuit chez Louis Vuitton, je crois. Je suis tellement fatiguée que... Je me laisse faire. 0 heure de sommeil et 6 mains sur la tête, forcément, ça tape sur les nerfs. Aya, it's a suspension. Guys, easy, please. Sentez le stress aujourd'hui. Là. Ah, pardon. Freya, malgré la méthode du floating, montre des signes d'essoufflement. It's one of those you walk and walk and walk and walk and walk and then you walk some more. And then in your quick little stop you get you like and then you walk back. That's okay. It's probably good with all the cigarettes I smoke. I need to get a little bit of exercise, right? It's day 7 of the Fashion Week. It's day 7 already? Yeah. Well, how do you feel? Tired? Well, it's not my day 7 because I did New York, then I was shooting in New York, then I did Hall of London, then I did Milan, and now I'm in Paris. So for me, it's day number, I don't know, many. So yes, I'm a little tired by now. All good though. See you guys later. Être une fille en vogue, c'est aussi être seule dans sa course, loin des siens. On vole des instants de réconfort. Ambiance résurrection. À la fin du défilé Givenchy, Natacha trouve le réconfort dans les bras de Riccardo Tisci. I'm good, I'm so happy. One more day till the end of this craziness. I really miss home and my hobby. I miss my family a lot. They're very supportive, they're so proud. My mom's checking everything, she's collecting all the pictures and she's always like calling me and saying, oh my God, you were so amazing last night at the show and you look so beautiful, I'm so proud of you, keep going. I know you're tired, but we are still there, we are still watching you, we are really supportive. And in the beginning day, when I was 15, I was really a baby, so they couldn't really understand what was going on and what the actual job is. For my father, it took him a while to understand the industry because I'm the youngest girl and he's a police officer, so he's a very, very, very strict man. For my father, it was like really hard to understand because he was a policeman for 25 years. So for him, modeling is like the last job you can work. So to see his little girl in lingerie in the Victoria's Secret show, he was not happy. What are you doing anyway? He was like, what is this, like shooting? Definitely is like, what is this? Like, I don't understand. Get I don't like job. It. And I'm not gonna support you in this. This is like stupid and like you should go and study. And I don't understand. But now he understands. Like, you know, I'm not taking my clothes off just like the girls in Moulin Rouge. I'm doing it to make money so my brother can go to college, you know. It was like a funny period of time. But then after that, he understood and he was like, okay, you can do it. It's so warm, right? It's my favorite. And it's like Sasha off the runway. You know, it's like warm. And I'm gonna fly in this tomorrow. It's so warm and nice. And it's her mama's love and energy. Okay. So I like it. But who is that? Who is it? It's my mom made it. Are you mom? Mom, yes. Wow. Why do you think I'm not going to show you? Designer's clothes, everybody, I know I have a designer's clothes, but the mom's sweater,
It's something magic, warm and sweet. All right, I love you. Love you too. And just kick butt. That's what I always do. All right, bye, sweetie. Bye, mama. Mwah. Love you. Come on, girls, it's really time to build the lineup now. Dernier jour, dernière ligne droite pour les filles qui sont toutes au défilé Hermès. Cécilie n'aura pas beaucoup foulé les podiums en mars, mais elle aura pu au moins défiler pour son créateur chéri, Jean-Paul Gaultier. Paris a tort. Alors Paris s'excuse, voilà, parce que nous, on aime beaucoup Cécilie, j'espère que ça va là, que les gens vont la redécouvrir. C'est vraiment une fille magnifique. La semaine du prêt-à-porter s'achève, les filles doivent enchaîner sur les séances photos. Et c'est là que la magie opère. Galvanisées par un si beau défilé, elles sont prêtes à recommencer, à faire un million de saisons. I don't know, I didn't count how many shows I did yet, but there's been a long and good season, so I enjoyed it a lot, so. And it's have a nice, I have such a nice feeling now, you know? I don't know if I would call it sadness, maybe a little sad. It's over, I miss the girls, you don't see them for the next 6 months, most of them. Some, of course, you see, but some you won't see for a while. It's okay. So, when you will have like a white hair on me, I will be almost dead, baby. Oh no, you better not be. She will be. Go on to make my show, okay? Thank you, Jean-Paul. Thank you. You're the best. I love Merci. You. Oh, that's so cute. Look at this. It's a mirror. Thank you very much. Qu'est-ce que vous voulez me souhaiter? Je sais pas, mais... D'être heureuse. Ouais. On leur souhaite d'être heureuses, à toutes ces filles en vogue. Merci beaucoup. Grazie mille. Arrivederci. You work, and then you like suddenly, wow, it's last show, and you have this like, wow, is it already gone? Really, everything is done. You don't have to rush anymore, and you start to miss it. And it's a weird feeling. You're tired of it, and you miss it, and you love it, and you hate it. It's all together. Okay, all right, yeah, I'll fly 10 o'clock in the morning with this beautiful sunset. Yeah. This sunset is so beautiful, Julien. Can you see? But it's all orange and it's so, wow, beautiful. Golden, don't you like it?